Merci d'avoir été attentif lors de cette transmission. Il s'agit aussi d'une réalisation. L'idée est actuellement dans le monde entier. L'affaire en va jusqu'à ce que vous soyez tous la plus haute distinction entre la nouvelle forme que nous avons faite et le prochain penseur qui va émerger encore de l'idée. L'histoire est pour en fait tous ceux qui veulent avoir, bien entendu, une vérité. Il y a à la fin notre choix, là où nous faisons grandir la volonté. Et la volonté va pour tous ceux qui savent maintenant voir, qui savent maintenant écouter. C'est sur toute la parole qui est de ceux qui savent entendre. Ils savent maintenant entendre. Il y a forcément les causes qui nous reviennent. Aussi, la grande évidence que tous ceux qui ont été guidés se sont soutenus et qui se sont rappelés que c'était alors la communauté qui avait enseigné la vérité. Encore une fois, vous êtes plus loin, les anciens, de la bonne idée. Vous considérez que nous avons quelque chose. Aujourd'hui, nous avons fait la plus grande partie où nous étions encore en travail. Nous sommes bientôt dans l'activité et même plus loin dans ce qui nous a libérés. Nous finirons par avoir tout à la fin des temps. Nous continuons de progresser. Nous finirons par avoir tout au jour de la promesse. C'est enseigner, vous pensez, pour ceux qui veulent enseigner, pour ceux qui croient pouvoir enseigner. C'est aujourd'hui, vous avez été libéré des doutes et peut-être des erreurs. C'est enfin une seule fois qu'on a été élevé. C'est la dernière fois que je vous dis, ce n'est pas nécessaire que nous nous retournions en arrière pour voir quel a été celui qui n'a pas voulu que nous y allions. Nous sommes en effet plus loin sur la direction. Nous considérons que ce n'est pas un jour où nous n'avons pas lancé la bonne idée. Nous continuons de vouloir vous connaître. Nous sommes ce que vous avez peut-être déjà rencontré comme utilité. Nous voyons dans l'utilité le moyen de nous unir. Nous sommes à la fin le parti qui continue de grandir. Nous sommes dans l'état, si vous le considérez, aussi l'être humain. Nous formons aussi la vérité avec notre communauté que nous avons protégée pour avoir enfin sous le soleil les histoires. Nous combattons le temps que Dieu nous a donné pour avoir la vie d'après. Nous avons fait aussi l'idée alors que nous étions dans une vision de nous redonner le sens de l'homme, l'homme qui a aussi sa raison de sortir du lot, de la
communauté. Vous répondez que vous avez entendu. Entendu que nous avons été sur le pont alors que vous n'étiez pas encore en terre. En terre nouvelle, mais que vous y alliez. Vous vous souvenez que nous sommes passés par le retour pour avoir aussi la vie envoyée comme le jour promis sur les hommes qui constitueront le dernier peuple. Nous formerons avec notre unité la volonté de protéger le dernier compagnon. Et c'est ici qu'on se souvient qu'on a aussi retourné la victoire. On a résisté à beaucoup de choix. On a réalisé que nous étions enfin arrivés dans la destination quand nous étions le plus inspirés et que nous pensions que nous n'avions pas tout fait, mais que nous avions restauré l'ensemble de notre force. Nous continuons de réhabiliter la première Ma, nous revenons à la fin des jours. Nous sortons de la loi avec une certaine descente. Dans l'apparence, nous formons l'éclair dans l'idée, dans le Mahdi, dans le juste parti. Nous avons ce que nous voulons, surtout nous serons ce que nous voudrons. Les histoires ne nous font pas penser à ce que vous n'avez pas pu nous idéaliser. Nous avons déjà notre propre connaissance et nous avons gagné notre propre islam. Nous sommes en fait des hommes avec une certaine réponse au jour où nous restons dans la direction du dernier mode de notre révolution. Nous scientifiquement avons remis les parties au sens de notre convenance et nous resterons ce qui nous fera répondre à la dernière vie. Nous sommes sous la lune, le retour des imams. Nous formons dans la parole. Le temps est notre dernière direction pour le musulman. Nous répondrons que nous n'avons pas tout eu à enseigner, mais que la volonté d'Allah est la première source de la victoire. Nous retournons à notre essence pour savoir que nous sommes dans les compagnies. Le peuple qui a de la naissante religion. Nous rendons compte si nous devons retourner. Nous sommes à la fin. Le parti qui a été libéré. Nous fondons toujours notre connaissance sur les réalités. Nous sommes dans le peuple, notre dernière prochaine utilité. Nous convenons que nous n'avons pas tout créé.
mais qu'il y avait déjà une réponse à la dernière communauté qui était estimée par les peuples et aussi le rôle d'Allah, le roi de la domination. Nous formons en fait la dernière partie du peuple élu. Nous sommes en fait le corps qui récompense tous les autres religions. Nous sommes l'accent sur la vie du monde. Nous connaissons le terrain de la descente du peuple dans les croyances du royaume qui est aujourd'hui dans la venue de tous les autres vies qui vont reconstituer le dernier peuple. Nous retournons à la dernière vie de l'esprit qui grandit dans notre communauté. Nous sommes le temps et la dernière vie à la terre nouvelle. Nous formons le dernier peuple à voir notre jeunesse. Nous sortons avec les parties fondant notre responsabilité. Nous rencontrons notre religion avec les bien guidés. Nous sortirons comme le bien guidé. Lorsque nous portons l'étendard, nous formons le dernier chemin. Où que nous soyons, nous avons apporté dans le groupe du Nour, de la lumière, pour que nous puissions voir. Nous sommes dans l'histoire. Le compagnon qui n'a pas abandonné la loi de Dieu, nous réalisons le seul lit qui retienne encore notre activité pour que nous menions jusqu'à la mosquée notre réalité. Nous formons en fait le successeur de la Oumma. Nous résistons jusqu'au temps où il n'y aura plus d'ennemis qui puissent nous diviser. Nous sommes dans le reste des jours. Un homme qui porte la rencontre du dernier Islam. Nous connaissons que le jour de la fin ne peut nous retenir de nous guider. Nous révélerons les hommes qui nous ont aussi estimés quand nous sommes allés plus loin que le monde et sa transformation dans la dernière communauté. Nous réaliserons nos rêves, nous formerons notre destinée, nous conduirons à nos rencontres. Le jour proche, nous servirons le dernier imam. Nous consolidons l'étape de la justice. Nous rencontrons les personnes qui n'ont pas été là, vie, mais qui ont été là, le peuple qui a encore l'adoration comme dit
direction lorsque nous invoquons la divinité. Nous faisons une réalité de ce que notre peuple peut accomplir dans les promesses. Là, nous retournons à la quantité du sol de notre peuple. Nous réalisons que le choix du peuple est le repos et le reformer. Le temps ainsi que l'espoir. Nous sommes aussi le reformateur du pouvoir. Nous rencontrons le jour dernier le plus grand vieux qui a toujours été le seul à émettre la loi en temps de la dernière égalité du peuple. Nous répondons que la loi du seul retour est le retour vers la promesse et la conscience du dernier quand nous n'étions pas dirigés avant que nous ayons l'alliance. Nous ne sommes pas ce que l'on raconte de nos personnes. Nous ne finissons pas par ne pas dire notre histoire. Nous avons raison si nous ne sommes pas connus, mais que nous faisons la bonne raison de nous maintenir dans la destination. Nous repentirons ceux des nôtres qui ne se sont pas encore réalisés dans le droit chemin. La loi est une responsabilité du dernier corps qui mène jusqu'à la venue de notre peuple. Nous sommes le temps venu, ceux qui croient. Nous sommes avec les véridiques. Nous connaissons vérité et aussi nous élevons la volonté. Nous reconnaissons qu'il y a plus de sagesse lorsqu'il y a plus d'inspiration dans les nôtres. Nous dévaisons la maison des ennemis. Nous ne négocions pas avec les personnes de l'ennemi. Nous personnellement ne formons pas de division. Nous reconnaissons que nous sommes la Palestine. Nous formons juste l'imam Mahdi. Nous répondrons que vous avez pensé notre imam. Nous compagnons avant les Palestiniens comme réponse. Nous sommes le peuple palestinien. Nous retournerons avec le Messie. Nous sommes le droit chemin de la nouvelle vie. Nous connaissons le Père et nous connaissons aussi le Fils des nôtres. Nous pensons la paix et nous pensons jeune, ce que nous n'étions pas l'imam. Mais nous questionnerons pourquoi. Nous épongerons la paix. Nous partirons de paix. Nous penserons les peuples. En vie, nos compagnons sommes à paix. Nous reprendrons la paix. Nous formerons la paix.
nous étions le peuple. Nous t'honorons les peuples, les personnes, les évidences. Nos jeunes avons le peuple, avons l'idéal, avons le compagnon, Mehdi. Nous repentons ce que nous sommes, nous réalisons ce que jeunes nouveaux compagnons, vous avez à vouloir nous dire. Nous sommes juste les humains qui sait se connaître. Nous rencontrons jeunes et stupides peuples à la maison depuis l'été.